Chères tabernaciennes, chers tabernaciens, encore une drôle d'année qui s'achève avec son lot de difficultés, la fin de la Covid-19, enfin une petite fin puisque le Covid repart encore cette année, mais disons qu'il est contrôlé aujourd'hui grâce à la vaccination, avec la guerre qui frappe l'Ukraine, qui a une répercussion sur le prix de l'énergie, sur votre pouvoir d'achat. Et malgré tout, la mairie de Taverny tient le coup, tient ses promesses grâce à vous, grâce au service, grâce à la solidarité, grâce aux associations. Et pour tout cela, je souhaitais vous dire sincèrement merci. Je voulais aussi vous dire, comptez sur nous pour maîtriser les coûts, pour maîtriser les finances publiques, malgré ce qui frappe aujourd'hui toutes les collectivités territoriales et notre pays. Comme pour chaque année, depuis 2014, nous n'augmenterons pas la fiscalité locale. Nous avons prévu également la rénovation de nos bâtiments, la rénovation énergétique de nos bâtiments pour répondre aux exigences environnementales et pour contribuer à la réduction de l'empreinte carbone. 2023 verra l'aboutissement de nombreux projets. Tout d'abord, sur le plan social, cette maison pour les femmes victimes de violences, qui est un sujet extrêmement important pour la municipalité, qui mène une action très très forte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur le plan culturel, nous allons accueillir la Microfolie au Sarment. Ça participe à deux ambitions. Une ambition culturelle, la culture pour tous. Vous aurez accès à tous les musées du monde en numérique, mais également la mise en valeur des quartiers prioritaires, notamment celui des Sarments. Nous allons d'ailleurs continuer à rénover Sainte-Honorine. La dernière tranche qui concerne l'îlot central des commerces de Sainte-Honorine va être enfin rénové. Nous allons également continuer l'aménagement de la ville avec ce beau projet de cœur de ville qui commence dès mars 2023. Nous avons donné les premiers coups de pioche. Quel est l'objectif? 1. Avoir enfin une place centrale qui accueille un marché digne de ce nom. Il nous faut également une place piétonne, une place cœur de ville. Dans le monde dans lequel nous vivons, il me paraît primordial que les familles de Taverny, que toutes les générations de Taverny, est un endroit convivial pour le vivre ensemble, pour les grandes manifestations et que ce soit en cœur de ville. Sur le plan sportif, nous allons continuer à développer de grandes infrastructures. Il y a la projection sur le gymnase Jean-Bouin, nous continuons à mener des études pour voir quel gymnase dans les années qui viennent, mais en attendant, nous aurons terminé la construction de la halle de tennis, ainsi tout le site tennis sera terminé, et puis surtout, en janvier 2024, nous allons inaugurer la magnifique piscine olympique Taverny-Saint-Leu qui nous permettra également d'être dans la dynamique des Jeux olympiques de 2024. Sur le plan de la solidarité, nous allons continuer à développer des actions en faveur des personnes handicapées. C'est pour cela que nous allons continuer à développer ce que nous avons fait derrière le gymnase d'Acoury, des résidences intergénérationnelles, mais également des résidences pour adultes handicapés et des accueils de jour pour les jeunes autistes. Nous allons également continuer la politique en faveur de la sécurité. Nous venons de signer un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Cela nous a permis d'exercer des expulsions vis-à-vis de celles et ceux qui pourrissaient la vie des quartiers prioritaires grâce à notre action conjointe avec les bailleurs, les services de l'État, de la préfecture et du procureur de la République. Nous allons continuer à implanter les caméras sur la ville. Aujourd'hui, nous sommes à une trentaine de caméras sur Taverny. Notre engagement est d'en rajouter 2 par année. Nous allons continuer également à renforcer le service de la police municipale. La sécurité, c'est l'affaire de tous, c'est la première des libertés. Et d'ailleurs, je suis toujours sidérée de voir que certains critiquent encore les mesures sécuritaires, alors que souvent l'insécurité touche les plus défavorisés. Sur le plan environnemental, nous avons toujours ce beau projet d'écoquartier dans la plaine des Écouardes. L'écologie, la défense de l'écologie, ce n'est pas être misérabiliste, ce n'est pas être obscurantiste, ce n'est pas être dressé les uns contre les autres, ce n'est pas habiter des beaux quartiers et considérer que les autres n'ont pas droit à un logement. À Taverny, nous avons besoin de logements, mais ça doit répondre à 2 exigences. 1, que ces logements soient conçus dans des normes environnementales extrêmement exigeantes, quitte même à ce que ces bâtiments, ces maisons, créent elles-mêmes de l'énergie pour faire baisser vos factures. Ça doit tenir compte aussi de l'équilibre entre urbanisme et espace vert. Si d'un côté nous construisons de manière intelligente et en tenant compte également de l'esthétique, nous voulons de l'autre côté préserver les espaces verts. C'est pour cela que nous continuons à acheter et à étendre la zone des espaces verts dans les coteaux, en prenant des nouveaux terrains, en agrandissant l'arboretum, et vous verrez que bientôt nous bénéficierons d'énormément de coulées vertes pour monter vers la forêt en toute sérénité. Enfin, je veux penser aux familles. La transmission est pour moi une valeur fondamentale. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez des classes orchestres dans toutes les écoles, des classes chorales, et que nous développons la culture pour tous dans les écoles. Mais c'est également permettre à chacune et chacun d'entre vous d'assumer leurs choix familiaux en pouvant mettre les enfants en garderie, en crèche.
Cette année, de nouvelles crèches, des micro-crèches, vont s'installer dans différents endroits de la ville. Je m'y étais engagée, il faut que l'offre destinée aux parents soit la plus maximale possible. Rien qu'en centre-ville, 3 nouvelles crèches vont être ainsi installées. Autre sujet de préoccupation pour les familles, mais également pour les plus anciens. Nous manquons en France cruellement de médecins généralistes. Nous sommes frappés par la désertification médicale et cela touche également l'Île-de-France. Nous avions été les premiers à avoir un énorme pôle médical. Nous avions été les premiers à avoir un centre Covid et comptez sur moi à chaque crise pour anticiper avec l'équipe municipale. En plus de cela, nous allons avoir une antenne de l'hôpital psychiatrique d'Aubonne qui va s'installer rue d'Herblay pour faire des consultations permanentes pour toutes les personnes qui sont victimes de troubles psychologiques ou de dépression. En plus de cela, nous continuons à planter dans chaque quartier, dès que cela est possible, des médecins généralistes. Vous en aurez des nouveaux à Sainte-Honorine, mais également à Verdun et également en centre-ville. Comptez également sur moi, dès que cela est possible, pour implanter des cabinets généralistes, mais également des ophtalmos, des kinésithérapeutes, des infirmières, des sages-femmes, toutes sortes d'offres qui peuvent permettre la santé pour tous à Taverny. Et puis nous allons continuer à soutenir le docteur Hoche et le centre de radiologie. Un scanner doit être implanté à Taverny. Nous allons également obtenir prochainement qu'un IRM puisse être installé dans notre ville. Vous le voyez, malgré la crise qui nous frappe durement, malgré toutes les difficultés que vous pouvez connaître et que je ne minimise pas, avec l'équipe municipale, avec les services de la ville à qui je rends encore une fois hommage pour leur dévouement, avec toutes celles et ceux qui participent au vivre ensemble, nous allons continuer à nous serrer les coudes, mais surtout à anticiper, à prévoir et à non pas subir les crises en nous repliant, mais au contraire en avançant, en allant encore plus loin, en faisant de notre ville à la fois un endroit où on est heureux de vivre, qui respecte le patrimoine, qui ait des belles perspectives en respectant l'équilibre entre urbanisme et espace vert, mais également qui investisse, qui soit une ville du XXIe siècle, qui préserve son identité, mais qui permette à nos enfants, à toutes les générations, d'y trouver un cadre harmonieux. Chères tabernaciennes, chers tabernaciens, en janvier 2023, j'irai vous souhaiter la bonne année dans les quartiers autour d'une galette de la manière la plus simple possible pour pouvoir échanger sur cette nouvelle année qui s'annonce. Comptez sur nous, comptez sur moi, comptez sur les services pour être à vos côtés, pour envisager l'avenir avec sérénité, sérieux, confiance et fraternité. Très belle année 2023.